Hey, salut tout le monde, c'est Bouskaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Metro Redux. Alors, on n'est pas sur Metro Last Light, mais Metro 2033, donc la version Xbox One de ce jeu. Donc on va faire continuer, je me souviens à peu près où j'étais. En retournant sur Terre, j'avais soudain réalisé que ma ville était à présent un endroit hostile et étranger pour moi. Je me sentais en sécurité ici, dans l'obscurité du métro. D'autant que Bourbon prétendait avoir des amis à la station aride. Donc voilà, donc ça c'est les petits temps de chargement où en fait il vous raconte un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi vous êtes là à peu près. Donc c'est un jeu interdit aux moins de 18 ans, donc il y a de la violence, il y a des mots vulgaires, voilà. Non, on va les changer contre le pompe. Donc voilà, donc là on était accompagné d'un de nos amis. Et ouais, c'est vrai qu'il faut que je me refasse. Attendez, la sensibilité, voyons voir. Option du jeu, manette. Sensibilité. Ouais, je suis au maximum. Regardez le maximum de la sensibilité, hein, c'est ça. Ça équivaut à, je sais pas, peut-être 6 sur Call of Duty. Bon, c'est assez dégueulasse. Donc notre pote s'est fait prendre, on va dire. Voilà. Ok, donc attendez, je vais éviter de parler trop là. Ok, donc là on vient de le buter tranquillement. On a pris ses munitions. Donc c'est un jeu, on va dire survival horror, parce que faut, ouais, c'est un survival horror, plutôt assez flippant. Donc en fait, je vous situe un petit peu l'histoire. Il y a eu une espèce de guerre atomique. Il y a eu une guerre atomique et du coup en fait tous les civils se sont réunis dans le métro et bah maintenant le métro est gouverné par plusieurs. Par plusieurs, on va dire, groupes, comme vous pouvez le voir. Et donc là, on est en mission d'infiltration où on doit aller, bah, tout simplement, aller récupérer notre pote. Donc c'est un peu. Alors moi, j'ai pas joué à Metro 2033, j'ai joué à Metro Last Light. Et pour vous dire, on avait, sincèrement, on avait la même mission. Ah, ça, c'est des pièges. C'est des pièges qui nous laissent. Donc attendez, je me suis repéré ou pas? Je sais même pas faire repérer. Il y avait exactement la même mission en Metro Last Light. Voilà, je tenais à le dire. Donc là, je pense qu'on va partir en team fight, hein, parce que sinon, ça va être un peu long. Donc, le jeu est assez flippant. Il y a une espèce d'ambiance qui est plutôt assez sympa. Alors attendez, normalement, voilà. Ah mais j'ai plus de balles. Ok, donc là j'ai été repéré. On va éteindre la lumière. Ok, il nous a pas vu. On y va, on s'en bat les couilles. On va y aller parce que sinon il n'y aura pas d'action et on va mettre 35 ans avant de débuter. Donc ça sert un peu à rien. Autant y aller tout de suite. On peut pas y aller. Ok, très bien. Alors attends, il y a un mec qui nous aide ou quoi là? Parce que. Ok, il est stylé ce con. Par contre, le mec a. Le mec a survécu à ça quand même. Hein. Mais j'ai paumé ma mitraillette du coup. Alors attendez. Voilà. Alors c'est vrai que vous avez des missions d'infiltration comme ça, mais c'est assez compliqué de s'en sortir.
Surtout si vous n'avez pas. C'est pas un tomahawk, mais c'est. C'est une espèce. C'est des couteaux de lancer en fait. Et si vous n'avez pas ça, bah, c'est assez compliqué de. Bah, de s'en sortir tout simplement, enfin d'avancer dans le niveau. Donc autant utiliser ces armes, même si vous n'avez pas énormément de munitions, ça, je tiens à le préciser. Donc là, je dois aller là. Petit screamer, même pas. D'accord, on est un peu trop loin. Vous voyez. Hop. Attendez, qui tire dessus là ? Je vais mourir parce que là. Je sais pas trop qui c'est qui me tire dessus, à vrai dire. On va buter le premier qui vient, hein. Comme ça, ça sera plus simple. Donc vous avez vu, alors. Vous avez énormément de possibilités de jouer en fait. C'est-à-dire que vous avez un mode facile, un mode normal, un mode dur, et vous avez des modes genre mercenaires ou des choses comme ça, où c'est encore plus compliqué, vous avez un mode réaliste, je crois aussi que ça s'appelle, où voilà, vous avez pas beaucoup de balles, enfin c'est vraiment assez compliqué. Voilà, vous avez plusieurs modes comme ça. Moi, je préfère largement cette petite mitraillette. Surtout qu'elle a un bon viseur. Hop, petit headshot tranquillement. Donc voilà, on récupère sa vie au fur et à mesure. Si vous êtes en plein team fight et que vous avez par exemple beaucoup d'ennemis autour de vous qui vous rush, vous avez au cas où des seringues pour vous soigner instantanément, un peu à la Far Cry, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vous avez beaucoup de choses comme ça, vous avez beaucoup de possibilités, un style de jeu à vous, hein, on peut le dire. Vraiment sympa en tout cas. Donc un peu flippant sur les bords. Ok, d'accord, je n'ai pas compris. Mais vraiment super cool dans l'ensemble. Donc là, vous avez les deux opus hein, qui sont sortis. Il n'y en a pas trois ou il n'y en a pas moins. C'est deux opus qui sont sortis. Donc Metro Last Light et Metro, Metro 2033. Ok, d'accord, allez, là, l'échelle, très bien. Donc moi, j'ai joué qu'à Metro Last Light. Vous pourrez aller voir, si vous voulez, ma vidéo découverte sur PC. Donc, j'ai acheté... Un petit peu avant celle-ci, il y avait une version Metro Last Light qui était sortie avec tous les DLC. Qu'est-ce que t'as amené avec toi ? Réponds, enculé ! Ou je te mets une balle dans la tête ! C'est le monde ? Oui, parfait ! GG ma gueule. Oh, il est mort. Merde. Oh yes. C'est ton arme, jeune homme. Sérieux, mon gars, c'est lui. Une fin triste mais prévisible pour quelqu'un de son espèce. Je m'appelle Khan. Eh bien, je suggère de quitter cet endroit sur le champ. Les compagnons de ces bandits ne tarderont pas à rappliquer et je préfère. Ok, on va aller bien. Je rentre à la station maudite. L'humidité ici okay. Réveille mes rhumatismes. Si tu veux connaître le même sort... Non, je viens avec toi, t'inquiète. Okay, non, en fait, je croyais que c'était un autre type parce qu'il y avait un autre gars qui avait la même gueule. On peut le dire. Sage décision. Bon, il avait exactement la même gueule, en fait. L'apparition de Khan m'avait pris par surprise. Pourtant, en combattant les bandits, j'avais senti que quelqu'un m'aidait depuis l'obscurité. Khan m'avait assuré que le destin de Bourbon n'était pas lié au mien, mais je regrettais sa mort. Hop. Bon, les petits temps de chargement, c'est pas mal, parce que vous avez la petite voix du mec qui vous dit un petit peu... voilà, quoi, ce qui s'est passé. Donc ça, c'est vraiment cool à faire en let's play, mais je le ferai pas, parce que je pense pas que ça attirerait beaucoup de monde. Ni les hommes, ni les monstres. Il n'y a même pas de rats. D'ailleurs, si vous voulez des SP sur ma chaîne, il faut penser à me le demander. Hein. C'est vrai que je vais pas en faire spontanément. Mais vous pouvez me demander, j'ai beaucoup de jeux. D'ailleurs, vidéo Far Cry 4, je pense. Enfin, j'ai beaucoup de jeux à vous présenter. Ils savent qu'on est là. Approche-toi des tuyaux et écoute. Ne reste pas trop longtemps. Certains disent que c'est la voie des tunnels,
D'autres croient que c'est une sorte de force psychique. Ouais, c'est flippant. Je connais ce tunnel. Et lui me connaît aussi. Donc pour vous situer un petit peu plus dans l'histoire, hein, donc je vous ai dit qu'il y avait une guerre atomique qui avait éclaté. Donc du coup, en fait, quand vous remontez à la surface, je sais pas si on le verra dans cette vidéo, quand vous remontez à la surface, bah, tout est explosé à l'extérieur. Vous avez des gros vestiges de bâtiments. Et en fait, bah, les humains, donc, se sont, comme je vous l'ai dit... Arrête-toi et regarde devant. On ne sait jamais ce dont ces choses sont capables. Donc les humains se sont réfugiés dans... Ça c'est des espèces de petits remontées dans le temps qui sont assez flippants. Voilà, c'est dans l'ambiance du jeu, c'est plutôt assez cool. Donc là il y avait un truc à ramasser, voilà. Donc ça c'est des fusées je pense. Concentre-toi. Donc lui il a l'air de nous apprendre, il a l'air de s'y connaître. Vous savez, dans les jeux vous avez toujours un mec un petit peu qui s'y connaît un peu plus que les autres. Voilà. Ok, d'accord. Moi, je suis mort, c'est pas très grave. Il y a des trucs comme ça, en plus, c'est pas la première fois que ça m'arrive de mourir comme ça dans une scène. Alors que... Voilà, bon, c'est pas grave. En fait, à la surface, vous avez des mutants, des espèces de dragons un peu géants, bizarres. Enfin, c'est des trucs un peu bizarres comme ça. On ne sait jamais. Il faut continuer. Ne touche pas les silhouettes. Ah d'accord, il faut pas que je... Mais ouais, mais mec, quoi, pourquoi tu veux mourir comme ça? Enfin, what the fuck, quoi. Truc un petit peu... Fais attention, ici, ouais. C'est un tunnel dangereux. Garde bien lumière, d'accord. Mon ami, on risque de rester coincé ici pour toujours. C'est quoi pour la nuit? Ok. Arrête-toi et regarde devant. Il faut continuer. Ne touche pas les silhouettes. Moi j'y vais avec lui. Moi je suis un peu concentré, donc c'est des jeux où il faut vraiment se mettre dedans et se concentrer un minimum. Concentre-toi. Apparemment, il doit y avoir des silhouettes que je ne vois pas, qu'il ne faut pas toucher, comme il nous l'a dit. On va peut-être attendre qu'il y aille. Non. Ok, d'accord. Très bien, fallait juste attendre. Donc oui, je disais, il y a des espèces de mutants un peu à la surface, tout simplement. Et dans les métros, il y en a à certains endroits un peu qui sont exposés à l'extérieur, entre guillemets. Il faut savoir aussi que l'extérieur est extrêmement nuisible pour votre corps, en bref. Oh, shit. En bref, vous êtes obligé de porter un masque à gaz parce que vous avez des substances toxiques, enfin c'est très radioactif. Là d'ailleurs on entend un bruit de radioactivité un peu. Donc il faut se protéger et donc c'est pour ça qu'on trouve à certains endroits du métro où par exemple c'est à découvert de l'extérieur. Et ben voilà, vous trouvez. Pousse-toi sur le côté, Artyom. What? Là, c'est fantôme au rendez-vous, les gens. Alors ça, on n'avait pas ça dans Last Light. Enfin, Metro Last Light, on n'avait pas ça. Ce tunnel est condamné à revivre son passé. D'accord, en fait, c'est pour ça qu'il appelle ça le tunnel maudit. C'est parce qu'il y a des fantômes dedans. Très bien. Le revivre aussi. Donc oui, je vous disais, il y a certains mutants dans le métro, et il y a aussi des sombres. Alors qu'est-ce que c'est les sombres? C'est des espèces... Je sais pas réellement ce que c'est, je pense que personne ne sait trop, sauf si on lit les livres, parce qu'en fait, il faut savoir que Metro Redux, enfin, Metro 2033, le premier opus et Metro Last Light, sont tirés de livres, en fait, de romans écrits par je ne sais plus quel auteur. Donc voilà, donc si vous vous intéressez vraiment au jeu, à l'univers un peu étendu, il n'y en a pas réellement un univers étendu, mais voilà, allez lire les livres. Les romans. Arrête-toi et regarde devant. Une bataille a éclaté ici il y a longtemps. Les défenseurs tiennent encore leur station. On voit des... Suis-moi. Ah ouais, d'accord, on les voit mais vraiment très très peu. Hein. Vous voyez les choses qui bougent là-bas?
Donc je pense que c'est une phase de gameplay où le mec vous explique un petit peu le métro. Tout ce qui peut se passer, tout ça, toutes les croyances et tout ça. Donc c'est plutôt assez stylé, on peut le dire, la petite phase de gameplay où je m'y attendais pas du tout. Je préférerais garder ça secret. C'est personnel. Et donc là on est dans le métro Moscovitch, on est en Russie. Je suis le seul survivant. Hop, voilà des petits champignons radioactifs comme vous pouvez le voir. Donc là je pense qu'il va y avoir une phase de gameplay. Hein. Il s'avère que la dévastation que nous avons provoquée a été complète. Le paradis. On va bien vérifier. Alors toujours vérifier que ces armes sont bien chargées dans le jeu. Donc, quand une âme quitte un corps, elle n'a nulle part où aller. Elle doit rester ici, dans le métro. Une forme d'expiation de nos péchés cruels. Et donc les ombres, enfin les sombres, pardon, c'est des espèces de grosses créatures qui font à peu près 2 mètres, 2 mètres 50, hein, et bah, qui tuent les personnes dans le métro. Enfin, on sait pas trop ce qu'elles veulent, tout ce qu'on sait, c'est qu'elles ne nous veulent pas de mal à nous, juste à notre personnage. Par contre, les autres, bah, c'est adieu dès que vous voyez un sombre, mais nous, c'est pas trop le cas, voilà. Donc là, je pense que c'est, on va, il risque d'y avoir des mutants, parce qu'il y a beaucoup de champignons, tout ça. Alors il faut faire gaffe parce qu'il y a des pièges. Il y a du verre aussi à certains endroits, si on marche dessus, bah, ça fait du bruit. Alors faire gaffe à toutes ces sortes de choses là. Hop, vous entendez un petit peu, moi je l'entends avec mon casque. Et là on entend aussi que c'est une zone très radioactive parce qu'on entend des petits crics. Ok, premier mutant, vous voyez à quoi ça ressemble un peu. Oh putain, attendez. C'est bon. C'est ma sang. Ah d'accord, ok, il y en a deux. Ah bah moi j'en ai plus qu'une. C'est bon. Tu. Voilà. Ok. Voilà. Vous voyez que c'est très cinématographique comme jeu et vraiment prenant. Donc moi, pour vous raconter, c'est vraiment le jeu. Alors moi j'ai pas joué à Metro 2033, à l'époque je jouais à Metro Last Light. Je voulais à tout prix Metro 2033 mais bon j'avais pas forcément. Enfin j'ai pas eu l'occasion de l'acheter en fait. Et c'est vraiment le jeu Metro en général hein, qui m'a marqué avec BioShock. Vraiment les jeux qui m'ont marqué. Au niveau du gameplay, même si ça reste des FPS classiques, c'est vraiment bien foutu et même au niveau de l'histoire. Tu as un sixième sens apparemment. C'est un talent rare, tu devrais l'utiliser. Ne bouge pas. Notre personnage est un petit peu spécial. Ne bouge pas. What the fuck, c'est quoi ça? On est encore mort. D'accord. Il faut se mettre à sa gauche. En fait, il faut vraiment le suivre, lui, hein, parce que sinon, tu meurs, quoi. Tu te barres à 10 cm un peu à trop à droite, tu meurs. Donc là, on va bien le coller maintenant, mon gars. On va faire le gros. Concentre-toi. Le gros stalker, là. Oui, les textures. Alors, sincèrement, le jeu, quand même, date, hein, 2033. Voilà, c'est une version remasterisée. C'est graphisme PC. Hein, voilà, en gros, c'est ça. C'est du 60 images par seconde, j'ai oublié de le dire. Sens, c'est du 912p sur Xbox One et 1080p sur PS4. Voilà, je suis assez précis. Alors, voilà, on va se pencher. Alors, peut-être qu'il y a eu une mise à jour pour le mettre en 1080p, je sais pas. Peut-être. Sur Xbox One. Tout ce que je sais, c'est qu'à la sortie, c'est en 1080p. Et bref, le jeu date et vous pouvez voir que graphiquement, c'est. On peut le dire, c'est quand même exceptionnel. Enfin, ça touche le parfait. Enfin, voilà, moi, je le dis. Au niveau des petites lumières, oh, c'est magnifique. C'est bon, on peut y aller ou on appelle ça une anomalie, un phénomène nouveau dans un monde nouveau. Donc il n'y avait pas tout ça dans Metro Last Light, ça je peux vous le dire. J'ai quand même bien avancé dans Metro Last Light. J'ai pas fini parce que j'ai pas eu trop de temps. Il y en a encore. Et what? Alors là, et
C'est quand même méga space ce qui est en train de se passer. Phénomène étrange, n'est-ce pas? Mais tu sais, ce n'est pas plus traître que le feu, dirons-nous. Tout dépend de ton point de vue. Essaie de mieux comprendre les événements avant de te forger une opinion. Il faut partir, on est plus en sécurité. Ce qu'il faut savoir aussi, que, c'est que bah, c'est marche ou crève un peu dans ce... Dans ce jeu, il y a un truc à ramasser. Je sais pas trop ce que c'était. Et en fait, bah, vous payez quelque chose, c'est avec vos balles. C'est des munitions en fait, l'argent. On va pas dire l'argent du jeu, enfin si, c'est les munitions, mais l'argent du jeu, mais aussi, on va dire dans la vraie vie du jeu. Voilà. C'est comme un peu dans The Last of Us où c'est des tickets. Vous savez, au tout début du jeu, pour ceux qui l'ont fait, vous payez avec des espèces de tickets. Enfin, les personnages, vous ne faites pas, mais. À chaque fois que vous avez besoin d'un service, bah vous payez avec vos tickets resto, un peu, c'est un peu ça. Et là, vous payez avec vos balles. Ok, donc là, c'est une phase de gameplay. Alors, ça change quand même un peu de Metro Last Light. Moi, j'ai plus séché Metro Last Light. Mais il y a énormément de phases de gameplay. Il y a énormément de phases de gameplay sur ce jeu où c'est des espèces d'endroits comme ça où vous êtes bloqué. Et c'est un peu de la résistance, ce que vous faites. C'est énormément ça dans beaucoup de phases du jeu. Hop, donc là on va s'écarter un petit peu parce que là on commence à se faire un peu trop toucher. Alors j'espère que notre pote n'a pas une durée de vie ou un truc comme ça, parce que vous savez, dans certains jeux vous devez protéger au mieux votre pote, sinon c'est la dèche. On n'a pas une petite. Alors attendez, on va essayer de... Oh là là, tout ce qu'il y a. Hop, plus de balles. On va essayer de retrouver sa vie au fur et à mesure, hein, parce que là... c'est un peu chaud. Hein. Oh là 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 là, ouais, c'est extrêmement chaud. Alors attendez. On va juste regarder, parce que... Non, je vais juste regarder si j'ai un kit de soins. Ou un truc comme ça. On a zéro medikit, donc il va falloir vraiment y aller à l'instinct. Et... Recharger, tout est bien. On va commencer avec le petit gun. Vous avez vu qu'il y en avait énormément là. Hein. Putain, pour le coup, c'était assez hardcore. Ah bah attends, mais parce que là c'était méga, méga hardcore. Alors, ce qu'il faut faire dans ces phases là, c'est vraiment. Bah, c'est un peu du zombie. Hein. Vous voyez, vous tournez, tout ça, vous essayez d'aller. Votre coéquipier, je ne pense pas qu'il puisse mourir. Enfin, ça m'étonnerait, c'est vraiment chacun pour sa gueule. Voilà, vous pouvez. Des petits couteaux aussi, voilà, là par contre là on s'est beaucoup trop touché. Donc on va, oh là 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 là, les mecs sont trop chauds, mon gars. Ça c'est vraiment hardcore comme phase, putain. Au début ça allait, il y avait beaucoup de phases comme ça, mais là pour le coup ok, d'accord. Oh, un medikit. Viens voir un deuxième. Putain, génial. Viens voir s'il y en a un autre. Un troisième, d'accord. Donc ça, c'est la phase apparemment où c'est méga chaud. Hein. Prépare-toi, les monstres. Ok, d'accord, c'est bon. Je vois où on peut. Ok. Donc on va pas prendre le petit game. On va essayer de se faire le moins toucher possible. C'est bon, là dessus. Bon, allez. Alors, il n'y a pas de batteuse dans ces jeux-là. Des grosses mitraillettes lourdes, il y en a pas. Enfin, j'en ai pas vu en tout cas. Alors peut-être que dans les DLC ou trucs comme ça, je sais qu'il y a eu des DLC où il y avait des armes. Et là, ça recoupe tous les DLC, j'ai oublié de le préciser. Hein. Mais pour Radius, ça recoupe tous les DLC, donc peut-être que j'en aurai une, je sais pas. Attendez, là on se fait un peu trop toucher. Normalement, là on gère. On tire un peu sur notre pote, mais non, c'est pas grave. Toute cette balle. On les a détruits un peu. Donc là c'est vraiment de la survie, hein. Ouh. Encore. Alors attendez, j'avais vu un autre truc qu'on pouvait fouiller là. Lui là. Waouh.
que ça marche comme ça. Une démonstration en direct. Waouh. Ok, donc... Ok, c'était assez chaud, là. Donc, je suis mort, vous voyez, trois fois, ou deux ou trois fois, je sais plus trop. On peut pas aller là? Non. Je suis d'accord, ok, il a juste voulu descendre. On va le suivre, on va pas trop, parce que normalement, c'est un peu léger, il faut un peu fouiller partout. Mais là... Dans la trésine, mais là, tu vois... Ok, on va monter dans la petite voiture. Je pense que la mission est finie, sûrement, peut-être. Au cas où, on s'arrêtera là. Et on va voir. Artyom, tu as une mission noble à accomplir. Tu crois vraiment que Polis va t'aider? Ou bien, il n'y a simplement pas d'autre espoir? Ok, donc là, on n'a plus de balles. On va pas les tuer, on va pas gaspiller nos balles pour ça. On arrivera bientôt à la station maudite. Les monstres l'ont attaqué de manière ininterrompue. Et la plupart ont abandonné. Les malheureux qui sont restés. Attends, on entend une cloche. Ok, donc là on va arriver à la station maudite. Alors peut-être que je ferai une deuxième vidéo. En tout cas, on va s'arrêter là. Ça fait déjà une bonne vidéo de 30 minutes. Ces habitants livraient une guerre sans fin pour survivre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on va arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sûrement une deuxième vidéo sur ce jeu. Et une fois que j'aurai fini 2033, on passera à Metro Last Light. Donc moi sur ce, je vais vous laisser les gens. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao tout le monde.